หลังc'est des moments ça que c'est très rare mais bon pour la nouvelle année Donc ce sont les novices hein, qui sont là, les élèves. On est toupi-toupi, hein. Toupi-lang. Toupi. Toupi-toupi-lang. Tout à fait. เป็นเศษไฟหลังบนไม่มีใหญ่ๆอันนี้ตำนานหลังCelui qui avait le balai, c'est un grand moine. Ce que vous voyez ici, sur Bouddha, et ici, c'est des novices, des apprentis. Alors bien entendu, on va aussi leur apprendre à obéir, parce que après, à leur tour, ça sera des grands moines et ils auront des novices. C'est comme un maçon. Un maçon va apprendre, il va faire du béton, va faire les mains d'œuvre. Et là, c'est les mains d'œuvre que vous voyez. Donc, ça fait partie de ça. Et on ne discutera pas. On fera ce que le moine supérieur a dit. Sans rigoler, sans discuter. Et c'est normal. Regardez. Donc là, ils sont en train de nettoyer à chaque réception, on va dire, ou bénédiction. Ils vont venir nettoyer et mettre en place pour que le grand moine du temple soit ici. Je vais vous montrer le tour de ce temple.
qui tout à l'heure était fermé, et j'ai demandé de l'ouvrir, et c'est vrai que je suis resté justement pour ça. C'était une surprise. Ça zoome un peu, il faut attendre un peu. Hop. Je suis à l'intérieur d'un temple en béton, tout en béton. Ici, dans le monde bouddhiste, on dit qu'il y a trois mondes. Je ne veux pas faire long comme live, mais juste pour vous montrer un petit peu. Premier monde, c'est le nôtre. On va dire première dimension. Allez, un exemple. Ceux qui comprennent. Premier monde. Tout à fait là-haut, nous avons le second monde. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont en train de se battre, c'est des démons, c'est on se bat avec les animaux, c'est la guerre, c'est pas bien. Et tout à fait là-haut, tout à fait où il y a Bouddha, c'est le Nirvana. Quand je repars, là-haut, c'est le Nirvana. Voilà. C'était pas prévu hein, que vous voyez ça aujourd'hui. Chaque peau a sa place. Voilà. La pousse à français. Annie teacher. Ha. Teacher dans sa matière. Annie pou. C'est ma. Oh. Ni, ni. Tam nan. Tam nan. Mais pou. Fang. La. Mélène. Ni, ni, ni. Dim, c'est ya. Donc j'étais avec le... On appelle ça un moine instructeur aussi. C'est-à-dire que lui, il va, avec celui qui est devant, gérer les novices qui sont ici. Alors, pour les habits, non. Il y en a qui me disent, est-ce que l'orange, c'est les novices? Est-ce qu'il y a une couleur? Non, il n'y a pas de couleur. Voilà. On peut être en couleur safran et être novice. Et être un grand moine avec la couleur orange, ça, il n'y a pas de problème. Donc toutes les semaines, ils vont faire ça. J'ai demandé si toutes les années, ils nettoyaient. En fait, je me suis mal exprimé. C'est vrai que toutes les années, ils vont peindre. Moi, je les ai vus une année... peindre Bouddha, hein, voilà, parce que bien sûr
il faut reprendre le Bouddha. Donc, toutes les semaines, le vendredi ou le samedi, c'est un ou l'autre, ils vont venir ici. Donc voilà mes amis, je vous ai assez donné de choses. Là, ils vont nettoyer, ils vont mettre le tapis, et voilà. Et tout sera nickel. Les moines ont vraiment des tâches à faire tout le long de leur vie de moine. Ça peut être du béton, ça peut être des constructions, ça peut être du nettoyage, du rangement. Un moine n'est pas une personne qui va se mettre sur un hamac et va dormir toute la journée. Non, parce que ça fait partie du papy. Alors je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est en haut aussi. Le papy, je vais voir si je peux vous le montrer en bas, il n'y est pas. Mais le papy, c'est celui que vous voyez en blanc là-haut là. Avec les enfants. Ce papy, c'est un démoniaque. Eh oui. C'est vrai que ce temple, je l'aime bien. D'abord, ce n'est pas un temple, c'est un sala. C'est un endroit où on va faire les ordements. Les ordements, c'est-à-dire que la personne qui va aller au temple faire un séjour ou une vie, eh bien, il faudra qu'il passe ici, dans cet endroit-là, où il y a le grand moine bouddhiste. En principe, cet endroit-là est fait que pour les moines. Il n'y a pas ni la famille qui doit rentrer, ni rien, c'est les moines. Parce qu'ils font des prières, ils font beaucoup de choses, voilà. C'est que pour les moines. Bon, nous, on pourra rentrer pour faire quelques photos, vidéos aussi. Puis, si un jour on a la chance d'avoir le moine ici, eh bien, on se fera bénir par lui. Voilà. Donc sur les peintures que vous voyez ici, on voit vraiment l'ancien monde, le nouveau monde. Tout est mélangé, mais vraiment c'est très très beau. Tout est fait pour que ça soit beau, en relief. Toutes les fêtes, la Songkran, Tamun Kaching, hein, Wat aussi. Ce qui est bizarre ici, c'est que je ne voulais pas vous le montrer parce que c'est des surprises, hein, ça fait partie de l'excursion, mais regardez bien. Regardez les visages, surtout. Je vous dis rien. Si vous voulez savoir, vous venez avec Eric Thailand. Voilà. Donc, pourquoi on a mis ces visages-là sur des protecteurs, hein, de temples, comme là. C'est le visage, c'est pas la couleur. Hein. Faut voir. En fait, c'est des visages connus de la Thaïlande. Ça peut être des chanteurs ou des gens qui sont dans la télévision. Voilà, c'est ça qui est un peu bizarre dans certains temples, c'est que voilà, il y a des choses. Il faut bien regarder par contre. Voilà. Il faut bien analyser, bien regarder tout ce qui se passe. Comme je vous ai dit, regardez des maisons en béton, et ici nous avons mélangé des maisons en bois. Voilà. Donc je vous dis, tout est vraiment mélangé, mais on sait pourquoi.
voilà, tout est en place. Il va faire, la plateforme est finie. Ici, ils vont faire le bas et ça sera fini. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt, mes amis. Moi, je me régale. Je me régale de vous montrer plein de choses. Il y a aussi cette échelle là-bas. L'échelle du bonheur, mais elle est spéciale. Ça, si vous voulez savoir pourquoi, comment, c'est avec Eric Thailand, ici sur place, à Nissan.